Le directeur appela immédiatement le prof pour lui dire deux mots, histoire de lui faire comprendre sa part de responsabilité dans l'histoire. Lors de la réunion, le directeur rappela au professeur l'importance de l'équité et du respect envers les élèves. Il souligna que l'intelligence et la sagesse d'un enseignant se mesurent non pas par sa capacité à transmettre des connaissances, mais par sa capacité à inspirer et à élever ses élèves. Le professeur, touché par les mots du directeur et réalisant l'ampleur de la situation, demanda à rencontrer l'élève pour s'excuser. L'élève accepta l'invitation et, lors de leur rencontre, le professeur menaça l'élève, lui disant que grâce à ses idioties, il a failli perdre son emploi. Il ajouta « Écoute, jeune homme, je te ferai renvoyer de cet établissement par tous les moyens. Tu es prévenu. » L'élève répondit immédiatement « Monsieur, vous vous attaquez à la mauvaise personne. Ne venez pas pleurnicher après. »